Connor. Connor, mon prénom c'est Connor, s'il te plaît, fais un effort. Oh, toujours pareil. Tu connais Mère. Oui, je sais. Mais elle a un bon fond. Attends, Connor, quel est ce vent soudain? D'où peut provenir cette furieuse tempête? Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Fais attention! Oui, c'est Connor, son nom, enfin, il prononce mal, la pauvre Sarah. Remarquez, ça lui a pas réussi, regardez, elle a été changée, transformée en pierre, transformée en statue, comme tous les habitants du royaume. Donc moi, je suis le beau Connor, regardez. Regardez comme il est beau, je peux tourner en 3D autour de lui. C'est quand même un jeune homme vigoureux et très poli, vous allez voir. Il faut absolument que je fasse quelque chose, regardez, je vais cliquer sur Sarah. Je ne sais pas quelle malédiction t'a emprisonné, Sarah. Mais je te promets de la vaincre et de délivrer ton âme si douce. Voilà, vous voyez, il est quand même assez charmant. Donc, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible de laisser ces gens transformer en statues. Surtout que, regardez, aussitôt, les pigeons en profitent pour venir leur faire caca sur la tête. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Voilà, là, j'ai cliqué sur le corbeau. Il s'est envolé. Je vais rentrer dans la petite maison derrière. Et on va aller voir ce qui se passe dans la maison derrière. Allez, hop, plaque. Maison derrière, c'est le titre d'un épisode des Simpsons. C'est pour ça que je fais ça. Bon, il y a que moi qui comprends mes vannes des fois, hein, mais je vous explique. Bon, alors voilà, là je suis rentré dans cette petite maison. Et alors regardez, tout est en 3D. Hein, je me déplace avec le clavier et puis je peux changer les angles de caméra avec la souris. Alors, par exemple, hop, je clique, j'ai trouvé une potion. Et regardez bien sous le lit, on aperçoit une petite potion. Où elle est? Elle est par là. Voilà, tac, c'est passé dans mon inventaire. Et c'est une potion de soin qui va me permettre de récupérer quelques points de vie quand j'en aurai besoin. Voilà, donc là je peux ressortir de la maison. Vous avez noté la petite musique? C'est vachement reposant ce jeu, c'est super, je trouve ça vraiment très très bien. C'est très bien fait déjà, d'une part. Et puis c'est pas trop compliqué, regardez, on vous explique tout au fur et à mesure, hein. On vous explique comment ça marche, là je suis dans les premières secondes du jeu. On m'explique par exemple comment sauter, je vais vous le faire, regardez. C'est un saut d'athlète russe dopé aux hormones, il fait des sauts de 15 mètres. C'est pas très précis, mais bon, au moins ça permet de franchir certains obstacles. Ah, merci. Ma petite maison, je vais rentrer dedans et aller chercher mon petit matériel, j'ai laissé ma dague à l'intérieur. Donc il va falloir que je la récupère. Allez, allons voir ça, regardez, c'est là, juste à côté, sur la table. Hop, je clique et je récupère ma dague. Ma dague. Et bien content de la récupérer, donc on va aller voir sur le côté, dans l'armoire à linge, s'il y a quelque chose. Ah, peut-être une petite potion. Ah, de l'argent! J'avais caché de l'argent dans un petit pot, dans une petite tirelire pour mes vieux jours. Eh ben, je vais l'emmener, ça me servira sans doute à acheter des boucliers, des épées, des tas de trucs, peut-être même des ingrédients magiques, puisqu'on peut utiliser la magie dans ce jeu. Il y a des potions qui vous rendent invincible, d'autres qui vous rendent invisible, ça c'est assez rigolo, les monstres vous voient pas. Enfin bref, il y a tous les ingrédients d'un jeu d'aventure, y compris les monstres. J'en ai vu un rôder par là tout à l'heure, où qu'il est. Vous l'avez vu, non? Il me semble que... Bon, c'est pas grave, on en trouvera un autre jour. Ah, il est derrière moi, monsieur se cachait comme un lâche, tac! Vous avez vu, je peux orienter la caméra, je peux zoomer sur Connor, je peux reculer. Et puis voilà, le monstre a laissé tomber des trucs qui sont bons pour moi, c'est des petits champignons, ça me donne, voilà, ça me donne des petits points de vie. Et puis, des sous, toujours pareil, des sous. Donc, ce que je vais faire, voilà, j'ai mangé mon petit champignon, ça m'a redonné un peu des points de vie. Voilà, ça fait pas de mal. Allez, je continue l'épée à la main. Allez voir ce qui se passe par ici, par exemple. Alors, vous voyez, là, on sent que la porte est lourdement barricadée. Oh, il y a un monstre! Je les vois pas bien parce que moi j'ai des projecteurs dans les yeux. J'ai du mal à les voir, mais vous devez les voir plutôt mieux à l'écran. Clac! Voilà, je récupère un petit peu. Toujours pareil, les champignons, les sous, c'est toujours bien utile. Ah, j'arrive pas, voilà. J'arrive pas à viser. On va essayer d'ouvrir cette porte. La porte est bloquée. Vous avez vu? Je vous le refais parce que j'adore les. Quand ils parlent, c'est génial. La porte est bloquée. Les mecs qui ont fait le doublage, ils sont pas trop foulés. Je sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient un peu fatigués, ils avaient dû bien manger avant le doublage. Tout ce qui est doublage, c'est un peu raté. Ils sont vraiment pas motivés et ils disent les répliques sur un ton qui est à la limite de la rigolade. En tout cas, au second degré. Enfin voilà, donc au second degré, c'est assez drôle, puisqu'il est très poli, il dit bonjour à tout le monde, il n'arrête pas d'avoir plein de bons sentiments, il veut sauver tout le monde. Enfin bref, c'est un vrai chevalier. Hein. Mais voilà, donc tout ça, c'est fait au premier degré, mais ça finit par faire rire au second degré. Donc c'est pas mal. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Une autre petite maison?
on va voir si on peut rentrer. Je n'y vois pas bien clair, moi, dans tout ça. Alors, attendez. Voilà, tac. On va essayer d'ouvrir la porte. Voilà, et on va voir à l'intérieur ce qui se passe. Ah, bah, c'est l'auberge. Très bien, ça tombe bien. Alors, toujours la petite musique. Chaque fois que vous êtes dans un bâtiment à l'intérieur, vous avez une petite musique. Et là-bas, il y a un petit coffre, normalement. Voilà, j'ai cliqué dessus. Et voilà. Je sais que Julia m'autorisera à faire usage de son... Vous voyez, là, par exemple, il est en train de voler de l'argent, quand même. Bon, bah, il se justifie en disant oh, « je sais bien qu'on me pardonnera » et tout ça. Donc, c'est plutôt sympa. Il est vraiment plein de bons sentiments. Puis là, en dessous, regardez. Des gants de cuir me seront sûrement utiles. Voilà, là, j'ai récupéré les gants de cuir. Ça se voit sur le personnage, d'ailleurs. Regardez, on peut zoomer. Il a mis ses gants de cuir. Donc, vous trouvez des petits bouts d'armure un peu partout dans les décors, dans les endroits. C'est caché un peu partout. D'un moment où vous êtes bien équipé, vous pouvez commencer à aller attaquer des monstres. Ça pose plus de problème. Allez, tiens, on va aller se promener par ici. Donc vous avez vu que je peux tourner la caméra tout autour du personnage pendant qu'il court, ça c'est assez génial. Et sinon, la caméra se débrouille très bien toute seule. Ah, un monstre ! Et voilà, je me regarde et je vais me faire tuer bêtement. Peut-être reprendre un pot de potion magique, ça me fera pas de mal. Il y a un petit champignon là qui traîne par terre peut-être. Non, de là. Ah ouais, un champignon, de l'argent. Voilà. Bon, allez, je suis tellement riche que j'ai pas besoin de prendre l'argent qui reste. Alors par exemple, on va aller voir ce qui se passe par là. Vous avez vu, les décors sont plutôt sympas. Un peu vide, mais c'est normal, tout le monde a été transformé en pierre, donc on n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça. Et je vais monter, tiens, il y a un petit chemin à gauche. Alors, vous avez vu, je vais où je veux, c'est de la 3D totale. Voilà, tout ça sur un scénario de Roberta Williams, vous vous souvenez, c'est elle qui a écrit le premier King Quest, qui était déjà très genre conte de fées, pas beaucoup de violence, jamais de gros mots. Bref, ça change un peu des vidéos qu'on a habitué. Ah, j'en ai un dans le dos. Vous voyez, je clique, c'est tout bête, hein, je clique sur le personnage et voilà, Connor se retourne automatiquement, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, tiens, on va rentrer dans ce petit moulin et vous allez voir qu'on va découvrir une hache. Oh, je suis un peu cogné, excuse-moi Connor, j'ai un peu cogné dans le mur. Voilà, on va ouvrir. Tac. Oh, un monstre. J'aurais peut-être dû sauver avant, je vais sauver, comme ça, si jamais il m'arrive malheur, vous allez voir, ça se passera bien. Allez, sauvegarder. Alors, vous voyez, on peut faire des sauvegardes absolument quand on veut. Début, voilà, j'avais déjà donné ce nom-là, on va garder ce nom-là. On peut faire des sauvegardes quand on veut, donc dès que vous sentez qu'il y a un petit danger, vous êtes un peu faible, hop, sauvegarde, comme ça, on est tranquille. Ils sont relativement rapides, ça va un peu plus vite. Voilà, bon, où il est ce monstre? Oh là, je n'arrête pas de me cogner. C'est tout un monstre. Et je n'arrête pas de me cogner partout. Voilà, bon, il est mort là en même temps, je vais peut-être arrêter. Voilà, je vais rentrer à l'intérieur de cette baraque. Ah oui, il y a un bout de foin. Alors, je peux me mettre en vue subjective, ça c'est pas mal. Et regardez, je peux regarder en hauteur. Alors, je sais qu'il y a une petite hache qui se balade par là, je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc il va falloir que je la récupère. Alors, ce que je vais faire, je vais ranger mon épée. Et je vais pousser ce petit ballot de paille de façon à grimper dessus ensuite et pouvoir aller chercher la hache. Ça permettra d'ouvrir la porte qui était coincée, ça avait l'air de... ça avait l'air de l'embêter énormément. Bon bah voilà, avec ça normalement, avec la hache, je pourrais démolir l'espèce de petite barricade qu'il y avait devant la porte. Alors. Voilà, est-ce que je suis bien positionné? Je sais pas trop. Je vais sauter sur le. Voilà, d'un bond gracieux. Est-ce que je peux attraper maintenant la petite hache? J'espère que oui. Je ne peux atteindre cette hache d'ici. Il est un peu difficile le Connor. Allez, pousse encore un tout petit peu, mon gars, et ça va aller. Voilà. Clac. Allez, on saute dessus. Voilà. Ah, si je monte un peu trop. Voilà, je l'ai. Ça va être la fête maintenant. Ça va être la fête aux monstres. Tiens, je remange un petit champignon parce que j'ai dû morfler tout à l'heure. Je refais une sauvegarde parce qu'il y a un monstre qui nous attend. Je suis désolé, mais ça, on perd du temps avec les sauvegardes, mais en même temps, ça va nous en faire gagner si jamais je me fais tuer bêtement. Et vous savez que c'est en direct, hein, j'ai la souris à la main comme d'habitude, donc voilà, là il peut m'arriver des malheurs. On ne coupera pas en montage, je mourrai bêtement devant vous. Donc voilà, vaut mieux être prudent. Allez, je sors ma hache, vous allez voir qu'il y a un super monstre qui m'attend. Regardez une petite séquence cinématique. Elles sont très bien faites parce qu'elles sont faites avec les mêmes graphismes que le reste du jeu. Du coup, on n'est pas dépaysé, on tombe pas d'un seul coup dans des graphismes voilà. Superbes et puis ensuite on retrouve des graphismes un peu merdiques. Là, c'est bien, c'est des graphismes plutôt bien et tout le temps. Donc, très bien. Ah, regardez, un monstre, pas sympa. Usurpateur, voilà, il parle comme dans les banlieues, le gars. Pourtant, on est au Moyen-Âge, c'est bizarre. Sur les ordres de qui, monseigneur? Assez parlé.
Donc voilà, vous avez vu le genre d'énigme, hein, c'est assez simple en fait. Il suffit de pousser un levier par-ci par-là, de trouver des objets, de les amener à la bonne personne. Donc c'est pas trop difficile. Normalement, vous devriez y arriver. Tiens, j'ai même... Regardez, je vais boire la petite potion. Voilà, ça va décupler mes forces pendant quelques secondes. Ça va me permettre de venir à bout de ce saleté de monstre. Et voilà le travail. Et ça coule par terre. Et vous allez voir qu'il il rampe encore. Hein. Comment est-il arrivé à Daventry? On se le demande. Bah, à vous de trouver. Vous allez voir qu'il y a des téléporteurs. Et que c'est peut-être un peu comme ça que les monstres ont réussi à arriver par chez nous. Ah, il a laissé tomber des trucs. Je les récupère. C'est par exemple une petite potion. Et je la bois tout de suite, comme ça, ça ira mieux. Voilà, bon, bah voilà, j'ai ma hache, je vais pouvoir défoncer des portes. Mais vous ne le verrez pas, parce que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à King Quest, c'est le 8 déjà. Le masque de l'éternité, ça s'appelle. le masque d'éternité même. Et voilà, c'est plutôt un bon jeu pour les joueurs débutants. Les vrais aventuriers seront peut-être un peu déçus parce que les énigmes ne sont pas très très difficiles. Mais par contre, pour des joueurs débutants, je pense que ça va être un grand moment. Il y a quand même une bonne dizaine d'heures de jeu, donc il y a du boulot, les gars. Donc il faut vous y mettre tout de suite. Voilà, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était Level 1 sur King Quest 8. À bientôt pour de nouvelles aventures dans un prochain Level 1. Soyez sages. Ciao.